Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint. Les lecteurs et lectrices des évangiles peuvent souvent, parfois, avoir l'impression que Jésus fait beaucoup de miracles et de guérisons sans trop d'efforts. Pourtant, à l'écoute de ce récit, on découvre que parfois, ses gestes et ses paroles ne sont pas forcément suivis des effets escomptés. Avec ce texte, on parle de guérison en deux temps. Certains diront une guérison un peu ratée au début. Pourquoi ? C'est le seul texte, effectivement, dans les évangiles où on a quelque chose qui se passe en deux temps. Je vais vous relire ce passage avec la version de Chouraki. Ils viennent à Bethsaïda, ils lui amènent un aveugle. Il le supplie de le toucher. Il saisit la main de l'aveugle et le fait sortir du village. Il crache sur ses yeux, impose ses mains sur lui et l'interroge. « Vois-tu quelque chose ?» Il lève le regard et dit « Je vois des hommes comme des arbres, je les vois marcher. » Alors il impose encore les mains sur ses yeux. Il voit clair, il est rétabli et il fixe tout distinctement. Il le renvoie dans sa maison et lui dit « N'entre pas au village. » À la vue de ces sculptures, je pense que vous pouvez deviner pourquoi c'est ce texte qui m'est venu en tête. Prenez la première sculpture avec les gros yeux, où peut-être certains verront de grandes lunettes, une grande vision. Il y a quelque chose d'assez perçant dans cette perspective-là. Vous voyez tous, pour ceux qui se sont approchés, pour ceux qui viendront après aussi voir cette vision-là. L'utilisation de la salive de Jésus. Il utilise la salive et cela peut nous sembler dégoûtant au regard surtout des règles modernes et de tout ce qui se passe actuellement. Mais dans l'évangile de Marc, Jésus opère également une autre guérison en plaçant ses doigts sur les oreilles d'un sourd muet, en crachant et touchant sa langue. Dans l'Antiquité, on attribuait à la salive des vertus curatives. Et Jésus utilise donc ce procédé, ce processus, comme d'autres guérisseurs de son époque. Mais lui, il va donner à ce geste une efficacité miraculeuse. Il appellera d'ailleurs ce sourd-muet à s'ouvrir, Ephata. Donc on vous dit une guérison peut-être en deux temps. Pourquoi ? Lors de la discussion avec le groupe biblique, de partage biblique, on parlait d'un temps pour tout, qu'il y a une importance à marquer parfois des étapes, qu'une guérison, qu'elle soit physique, spirituelle, autre, parfois peut effectivement arriver en une seule fois, et parfois c'est sur un long terme, après quelques jours, quelques semaines, quelques années. Au premier contact, l'aveugle ouvre bien les yeux, mais sa vision reste floue, n'est-ce pas ? Il voit comme des hommes, comme des arbres, en fait, qui marchent. C'est ainsi que Jésus va poser à nouveau et rétablir, du coup, quelque chose de la vision. On peut se dire que c'est une guérison lente, en deux étapes. Qu'il peut faire aussi nous découvrir que nous, les humains, mais aussi les disciples qui accompagnaient Jésus, sont comme cet homme aveugle, qui dans un premier temps, grâce à la salive, qui est aussi un symbole de la parole de Dieu. Lorsqu'elle nous est donnée, on ouvre le cœur, on ouvre les yeux sur autre chose. À travers cette histoire, on pourrait se dire que parfois, on voit effectivement des choses, mais floues. Pas distinctement. Jésus remet
justement, refait justement une imposition des mains sur les yeux de l'aveugle, qui à ce moment-là voit distinctement. C'est ainsi qu'en voyant cette sculpture, je me suis dit que Jésus était capable de rendre la vue à quelqu'un, à nous tous, mais il est aussi capable de corriger notre vue lorsque nous en avons besoin. Avec cette guérison de la vue, de la vision, on peut aussi se dire que c'est le même processus que Jésus va opérer avec ses disciples. Dans le texte, vous avez entendu, ils ont plutôt assisté à des miracles, ils ont vu d'autres signes, ils ont vu des guérisons. Et pourtant, ils ne comprennent toujours pas. Ils sont quand même sur le bon chemin, ils sont avec Jésus. Mais ils ne saisissent pas tout. Et finalement, comme nous aussi parfois, nous ne saisissons pas toutes choses. Il y a des choses que nous savons, sur lesquelles nous avons une vision peut-être un peu floue parfois. Mais encore, il faudrait qu'on le reconnaisse. Il y a une chose qui m'a beaucoup interpellée dans cette histoire-là. Jésus est celui qui va s'imposer en fait à cet homme. Vous avez entendu les différentes versions. Ma version dit « il cracha sur les yeux ». L'autre, on dit seulement « il met sa salive ». Choisissez la version que vous voulez. Certains y verront de la douceur dans l'accompagnement de la guérison de cet aveugle à qui on demande à Jésus de toucher, de faire quelque chose. Mais voyez une chose, Jésus accepte, mais il saisit la main. Saisir, ce n'est pas que accompagner doucement. C'est le prendre, le tirer du village, le mettre à part, pour qu'il vive lui-même cette guérison. Et dans cette guérison-là, quand Jésus lui demande « Vois-tu quelque chose ?», lui, il voit au loin. Il voit des hommes au loin comme des arbres. Ça ne vous étonne pas? Il a Jésus qui est devant lui. Et lui, il va regarder au loin au lieu de regarder celui qui se trouve juste devant lui, en face. Il ne répond pas « Je te vois ». Il dit « Je vois au loin ». C'est peut-être aussi un appel pour nous, des fois, à nous dire « On voit toujours au loin au lieu de voir au milieu de nous ce qui se passe, qui est présent, que Jésus est là ». Il ne va pas se mettre en colère, il va reprendre cette imposition des mains de guérison comme un geste aussi d'onction, d'envoi et de bénédiction. Il va lui imposer les mains et à nouveau, il va voir fixement, distinctement. Lorsque plus tard Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Moi je me demande « Qu'est-ce que vous diriez ? » Est-ce que c'est un thaumaturge, un guérisseur ? Un ophtalmo, du coup? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait une philosophie qu'il faut juste suivre? Quelqu'un qui a montré le chemin? Un révolutionnaire pour d'autres? Un écologiste peut-être pour d'autres? Qui est Jésus? Je pense que c'est la question qui nous est posée encore aujourd'hui. Dans les évangiles, l'aveuglement est souvent utilisé comme une métaphore pour dire qu'il y a une incompréhension. Voir, c'est opérer un discernement qu'il faut comprendre. Et la visée de ce récit est donc celle de tous, disciples comme lecteurs, afin que nous puissions voir et comprendre l'identité de Jésus pour nous. La salive, comme je vous l'ai dit, c'est la parole. Elle permet de voir les choses et de comprendre d'une certaine manière, même si parfois ça paraît confus, flou. Mais finalement, nous sommes en chemin. Car quand il voit ces hommes au loin, comme des arbres qui marchent, il voit quelque chose qui bouge. Lors de la préparation avec Ute Bauer, France Bossuet, mais aussi lors du partage avec le groupe biblique, tout le monde a un petit peu remarqué justement pourquoi est-ce qu'on voit des hommes, des arbres qui bougent au loin. Il y a un mouvement qui se crée. Ce n'est pas juste quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui met en mouvement. Parce que finalement, nous sommes aussi, intérieurement, toujours en mouvement, appelé à marcher, appelé à bouger, à aller, comme tout à l'heure je vous ai invité à vous approcher. Dieu en premier nous invite à marcher avec lui, à cheminer, à voir autrement et parfois à corriger notre vue si cela est nécessaire et si nous le demandons.
ou si quelqu'un autour de nous le demande. Oui, la parole pour nous encore, aujourd'hui, elle est importante. Et à travers cette guérison en dehors du village, quelque chose nous est dit également aussi. On sait qu'il y aura des guérisons assez spectaculaires avec du public. Mais pour l'heure, dans cette histoire-là, Jésus, quand il guérit cet aveugle, il le fait à part, dans la discrétion. Peut-être certains diront personnellement. La guérison s'opère pour lui, car pour lui, il doit d'abord comprendre qui est Jésus, le maturer, avant de ne plus rentrer en fait au village. Jésus lui dit de ne pas entrer au village. Dans d'autres versions, il dira « va vers les tiens ». Comme si la compréhension de ce qu'est Jésus, effectivement, elle est personnelle, elle est interne comme une gestation, comme un germe, que l'on doit partager aussi avec les siens d'abord, le foyer, avant de revenir dans la société, dans le village. Car finalement, le village connaissait cet homme comme l'aveugle, peut-être qu'il était stigmatisé, peut-être qu'il n'était que ça, c'est un aveugle parmi d'autres, donc mis au banc. Là, Jésus lui dit « tu es rétabli ». Tu es guéri, tu y vois distinctement. N'entre pas dans ce village. Rentre chez toi. Et on comprend qu'il habite en dehors du village. C'est peut-être également aussi un appel pour nous, nous qui aimons bien, je suis sûre que vous avez déjà entendu cette réponse, ou bien vous peut-être l'avez déjà dit, la foi c'est quelque chose de personnel. C'est dans la sphère privée, on ne partage pas ça. Je pense que c'est vrai dans un premier temps. Il y a un temps d'abord pour nous personnellement à comprendre ce que nous vivons. Mais au bout d'un moment, force est de constater que notre foi, justement, ne peut pas toujours être cachée. Qu'elle est appelée à briller. Qu'elle est appelée à être partagée avec d'autres. Qu'elle vous met aussi en responsabilité. Vous croyez ? Vous êtes sincère ? Lorsque l'on vient le dimanche ici, c'est comme un acte public. On vient dans un bâtiment pour célébrer le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ressort de là? Comment est-ce qu'on agit avec nos familles, nos amis? Est-ce qu'on les invite parfois ici? Parce que c'est un cadeau que nous avons. Ou bien non, on les laisse parce que de toute façon, on ne va pas les embêter avec ça. Pourtant, la parole est un cadeau, c'est notre cadeau. La parole, la bonne nouvelle, c'est un message de vie. Lorsqu'on a quelque chose de précieux, on veut le partager avec d'autres. Mais peut-être qu'effectivement, il faut d'abord un temps pour maturer ça avant de le partager. Oui, parce qu'il y a une chose essentielle, c'est qu'on peut parler, on peut dire des choses, on peut dire qu'on est chrétien, mais notre façon d'agir, notre façon de nous comporter, de parler est notre premier témoignage vis-à-vis des autres. Vous avez été guéri, quelqu'un le verra, même s'il n'y a qu'une personne. Ce n'est pas un message moraliste que je veux amener là, mais c'est une sorte de cohérence. Lorsqu'on est chrétien, on est cohérent aussi avec sa foi, avec les idées. Et il est bien parfois de les partager, il est bien de se porter ensemble. Il est bon parfois aussi de débattre parce que parfois on n'est pas d'accord. Et alors, c'est ok de ne pas être d'accord tout le temps, non? Il est bon de discuter, d'être en relation, comme le Seigneur le fait avec nous. Parfois, il y a des choses que nous comprenons très clairement du Seigneur. Et parfois, il y a beaucoup de choses qu'on se dit, je n'ai pas compris, là, je ne vois pas du tout le rapport. Mais c'est ça aussi, cheminer avec le Seigneur. Oui, ce message nous appelle à ne pas rester peut-être dans le flou ou dans l'aveuglement, mais à être corrigés dans notre vue, dans notre vision des choses. La deuxième statue, là-bas, pour moi, elle symbolise tout le récit. Mais finalement, pour moi, elle représente également aussi l'évangile. Il y a une face qui a les yeux fermés, qui a l'air apaisé. Et l'autre face du visage, il y a quelqu'un qui a les yeux ouverts. Personnellement, je l'ai interprété comme le fait de lâcher prise, parfois. Qu'il est bon, justement, de se laisser façonner, de se laisser faire, d'écouter peut-être en fermant les yeux, de recevoir ce que le Seigneur a à me dire, ce que l'Esprit souffle, parce que lui a les yeux fixés. Ça, c'est mon interprétation. Je ne sais pas ce que vous avez pensé en voyant les sculptures. Peut-être que vous avez cheminé depuis tout à l'heure. En tout cas, tout à l'heure, nous aurons également aussi l'occasion d'écouter Ute Bauer sur la signification
de ses œuvres à elle. Pour l'heure, je conclus ce message, ce partage que j'ai avec vous, parce que oui, pour moi, le Seigneur nous a, peut justement nous faire voir les choses, il peut nous faire rendre la vue, il peut la corriger, et nous sommes appelés finalement au fil du temps à être corrigés dans notre vision des choses. Et pour vous, aujourd'hui, maintenant, qui est Jésus? Qui est-il sincèrement pour vous maintenant? Qui est cet homme? Peut-être quelqu'un au loin, de flou. Peut-être quelqu'un qui est ancré chez vous, centralement, avec des racines. Ou peut-être quelqu'un un petit peu au loin, sur lequel vous avez du mal, des fois, à le rejoindre. Quoi qu'il arrive, il se tient là, il est présent. Faites un pas, demandez-lui de vous toucher, peut-être vous cracher sa salive, sa parole, parce que sa parole, elle nous fait bouger, elle nous nourrit, elle nous construit. Amen.